là pour moi de monter. Mansolo, mon gardien, Jean-Pierre. Capacité à imposer là. Ce samedi 10 mars 2018 et déclaré prêt. Veuillez vous asseoir. Nous avons la liste des trois groupes pour trois catégories d'avocats qui doivent répéter. Nous avons le premier groupe avec les avocats. Le deuxième, ce sont les défenseurs judiciaires qui vont être inscrits sur le tableau. Et le troisième groupe, c'est le groupe de la Dame, qui est en nombre de 4. Et puis, le troisième groupe, nous allons les laisser en 3. En 3, oui. 10 et puis 12. Alors, je vous donne la parole pour. Au nom de l'acte d'appel. Auguste, membre de la composition, monsieur le procureur général, mesdames et messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, mesdames et messieurs les avocats, permettez-moi avant toute chose de bien vouloir placer un mot sur la signification de la cérémonie de tout à l'heure. Il s'agit bel et bien de la prestation des serments d'avocats. S'agissant de la définition sur le président Auguste Siège, il convient de noter qu'il n'existe pas en droit congolais la définition légale du cerveau. Mais cependant, la doctrine entend par lequel celui qui jure prend Dieu à témoin de la vérité d'un fait ou de la sincérité d'une promesse et l'invoque comme vengeur du parjure. Et c'est très important qu'on les note ainsi. Je disais donc que le serment, c'est un acte qui est à la fois religieux, parce que fondamentalement, il implique l'invocation de Dieu, considéré comme l'élément essentiel du serment. Monsieur le Président, avant que je ne puisse atterrir par rapport au serment d'avocat, je voudrais, avec votre autorisation, souligner que dans la Bible, pour qu'on puisse la lire attentivement, le serment est régi par des principes stricts qui mettent en relief l'exigence de la loyauté et de la fidélité. Il importe d'ailleurs de souligner que la Bible distingue à la fois le serment de Dieu et le serment des hommes. Le serment de Dieu est contenu par exemple dans Genèse 8:21, à travers lequel Dieu a prêté serment pour assurer que la terre ne sera plus détruite par les déluges. Le serment de Dieu se caractérise par le fait que Dieu ne ment pas. Dieu a été toujours fidèle à lui-même, fidèle à ses promesses. Le serment est une garantie de fidélité et de loyauté, comme le précise Hébreux 6:16. Le serment biblique comporte l'obligation d'accepter fidèlement
une promesse faite sous la foi du serment. À ce sujet, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Nombre 33 dit, lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon ce qui est sorti de sa bouche. Le serment biblique comporte donc à la fois la sanction du non-respect de la parole donnée. Qu'en est-il dans la coutume? Prenant connaissance de plusieurs coutumes congolaises, comme la coutume chez les Baluba de Mounongo, pour que le serment ait toute sa force, la personne qui prêtait serment prenait la terre avec les mains et les papiers en levant les mains en l'air. Tandis que chez les Baluba, chez les Bachila, ils prêtaient serment en enjambant le corps d'un petit garçon couché sur le sol. En droit congolais, l'article 233 du Code civil congolais prévoit le serment de catégorie des serments, le serment décisoire, appelé le serment litis décisoire, et le serment d'office, appelé le serment supplétoire. Le serment professionnel d'avocat est soumis aux impétrants conformément à l'article 14 de la loi sur les barreaux et en vertu de l'article 49. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que il se dégage de la formule des serments que la profession d'avocat est à la fois une manière d'agir et une manière d'être. Une manière d'agir parce que l'avocat sera soumis à respecter les vertus cardinales. Je jure d'exercer la défense avec dignité, conscience, indépendance et humanité, de ne jamais défendre aucune cause que je ne croirais contraire à mon âme et conscience. La profession d'avocat est à la fois un ministère, un sacerdoce, parce que l'homme qui va prêter serment tout à l'heure devra s'engager à être un homme honnête dans la société. Voilà donc, brièvement, la signification de l'acte tout à l'heure, qui n'est pas une simple formalité de routine. Mais les avocats devront se conformer à ce qu'ils auront juré, parce que Dieu est vengeur du parjure. Cela étant, avec votre autorisation, nous vous prions de bien vouloir recevoir Maître pour le renouvellement des serments, Maître Karine Nakanga. Maître Karine Nakanga, aujourd'hui, elle puisse renouveler son serment. D'obéir à la loi, d'exercer la défense et les conseils avec dignité, conscience, indépendance et humanité, de ne rien dire ou publier au contraire aux lois, aux décisions judiciaires, aux bonnes mœurs, à la sécurité de l'État et à la paix publique, de ne jamais m'écarter du respect dû aux tribunaux, aux magistrats et aux autorités publiques, de ne conseiller ou défendre aucune cause et je ne crois juste en mon âme et conscience. La personne acte de votre renouvellement également en qualité d'avocat au barreau préfectif. Et vous présente la terre. Le serment avec les concours de magistrat Maurice Kam Alama, officier du ministère public, et l'assistance de M. Elim Koumoulou Jeffier. Le président a ouvert la séance et invité le bâtonnier à présenter les candidats. Et à la parole, Maître Dominique Kambala Komolo, bâtonnier du barreau de Kanana, a présenté les récipiendaires. Consulté pour ces réquisitions, le ministère public a, dans ses réquisitions verbales, requis à ce qu'il plaise à la cour de recevoir les serments de Maître Nakanga Mambongo Kari, Maître Kassapu Naramulume Fabien.
en qualité d'avocat près la Cour d'appel de Kana. Invité par la Cour, Maître Nakanga Mambombo Karine et Maître Kassabou Malamoun Mas Fabien, inscrit en qualité d'avocat au tableau de l'ordre du barreau de Kana par décision numéro 032 et décision numéro 037 du Conseil de l'ordre du barreau de Kananga du 1er mars 2018, conformément à l'article 14 de l'ordonnance loi numéro 79-028 du 28 septembre 1979, portant organisation du barreau des corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l'État, prêtez les serments suivants. Je jure de respecter la Constitution, d'obéir à la loi, d'exercer la défense et les conseils avec dignité, conscience, indépendance et humanité, de ne rien dire ou publier de contraire aux lois, aux décisions judiciaires, aux bonnes mœurs, à la sécurité de l'État et à la paix publique, de ne jamais m'écarter du respect dû aux tribunaux, aux magistrats et aux autorités publiques, de ne conseiller ou défendre aucune cause que je ne croirais juste à mon âme et conscience. La Cour leur donne acte de leur prestation de serment en qualité d'avocat. De tout quoi adresser le présent procès verbal que Maître Nakanga Mambombo et Maître Kassabou Malamoun Fabien ont signé avec la composition précitée. Mambombo Bazuma Wayesu et né à Kananga le 1er octobre 1971, congolais, originaire de la province du Kasaï central, territoire de Luisa. La particularité du candidat que nous vous présentons est que il cumule plusieurs licences. Il a à la fois une licence en droit de l'université de Kinshasa. Bien avant cela, il avait obtenu une en sciences politiques et administratives à l'UPEN, à Kinshasa. Et encore bien avant cela, il avait aussi un titre de licencié en théologie. Une riche expérience du terrain. Voilà la raison pour laquelle, tout récemment, il a été élevé à la dignité de ministre provincial en charge d'aménagement du territoire, infrastructures, affaires foncières, urbanisme et habitat. Le Conseil de l'Ordre a tout de même accepté de l'inscrire sur la liste des stages. Mais, il est sur la liste des stages à titre d'honneur, à titre honorifique, parce que la jurisprudence dans les barreaux congolais exige à ce que les confrères qui exercent des professions qui honorent, qui exercent des activités qui honorent la profession, nous pouvons les prendre dans la profession à titre honorifique. Donc le futur confrère ministre devra se réserver de poser les actes de la profession jusqu'à ce qu'il ne sera plus ministre. Donc nous le garderons à titre honorifique sur notre tableau parce qu'il nous a fait honneur, raison pour laquelle, par sa décision entreprise par sa session du 6 mars, le Conseil de l'Ordre, à travers sa décision numéro 002, a décidé de l'admettre sur la liste de stage. Mademoiselle Meta Tumba Naomi Merveille est née à Kananga le 27 février 1993. Elle est congolaise, originaire du territoire de Tibélengué, Loukibou. Elle détient
un diplôme de licence en droit, option droit économique et social de l'université de Lubumbashi. La particularité de la candidate, c'est que c'est une dame célibataire. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais nous voulions juste l'exhorter pour dire que la profession d'avocat s'exerce au masculin. Donc elle ne devrait pas se comporter comme une femme au barreau. Elle va se battre à l'instar des hommes au barreau de Canada. L'expérience malheureuse du barreau de Kananga, c'est que aujourd'hui, Naomi va bredouiller son serment suivi des applaudissements, mais lorsque un kidam va la prendre, elle mettra fin à la profession d'avocat. Nous allons souhaiter une longue carrière à la future avocate pour qu'elle puisse se distinguer à l'instar de ses aînés comme maître Anastasie Bambou. Qu'à cela ne tienne, par sa décision numéro 016, entreprise dans sa session du 6, le Conseil de l'Ordre l'a admise sur la liste de stage. Monsieur Kalenda Bombo Timothée, originaire de la province du Kassai Central, né à Tchéboué le 22 avril 1994, célibataire, il est détenteur d'un diplôme de licence en droit, option droit privé judiciaire de l'université de Kananga. Il nous a malheureusement caché ses origines alors qu'elles sont nécessaires. Le Conseil de l'Ordre, par sa décision numéro 006 du 6 mars 2018, a décidé de la mettre sous la liste de chiffrage. Monsieur Manzolo Monga, mon pépé Jean-Pierre, il détient un diplôme de licence en droit de l'université Cardinal Malula, option droit privé et criminologie. Le Conseil de l'Ordre, à sa session du 6 mars 2018, a entrepris la décision numéro 015, la mettant sur la liste de stage. Monsieur Ngandu Mukendi Timothée est né le 16 novembre et constitué par les futurs avocats célibataires. Ce qui est une très bonne chose. Alors, le conseil apporté à ce stade, c'est que la profession d'avocat se caractérise par l'exercice effectif et réel de la profession. Nous ne voulions pas des avocats qui prêtent serment aujourd'hui et demain, ils disparaissent de la vie. Parce que, comme ils vont le savoir, un avocat stagiaire ne peut pas s'éloigner de son maître de stage pendant une période dépassant 3 mois. Et que donc, il devrait absolument profiter de l'état civil des célibataires pour s'adonner au fond à la profession, maîtriser les arcanes de la profession pour que la province ainsi que le barreau de Kananga puissent compter sur ses futurs avocats. À ces causes, Monsieur le Président Auguste Siège, nous vous prions de bien vouloir le recevoir au serment. À Monsieur le Procureur Général, pour vérifier. Il sied de relever qu'ils ont rempli les conditions requises pour qu'ils soient inscrits sur la liste des avocats stagiaires au barreau de Kananga. Par ce motif, nous sollicitons de votre cour de recevoir leur serment en qualité d'avocat stagiaire. La Cour vous remercie et invite les jeunes pétrons, chacun à les mettre à la droite et prononcer la constitution d'obéir à la loi
d'exercer la défense et le conseil avec dignité, conscience, indépendance et humanité, de ne rien dire ou publier au ministère, au roi, aux institutions judiciaires, au bon mers, à la sécurité de l'État et à la paix publique, de ne jamais se garder du respect dû aux tribunaux, aux magistrats et aux autorités publiques, de ne conseiller ou défendre aucune cause que je ne pourrais juste en âme et de conscience. En qualité de candidat, inscrit sur la liste des stages du barreau de Cannes. Je vous présente le professeur Félix. C'est ainsi que je vais retenir que l'avocat n'a pas de vie privée. L'avocat est suivi par le conseil de l'ordre et moi-même, aussi bien dans sa vie professionnelle que dans sa vie privée. L'avocat peut danser.
L'avocat peut boire, mais il ne peut pas danser comme n'importe qui. L'avocat ne peut pas boire comme un généralement quelconque. L'avocat, il est prisonnier d'un minimum de comportement. Monsieur le Président, souffrez que je termine par une qualité d'avocat que j'aime beaucoup. Cette qualité fait partie des vertus cardinales de la profession d'avocat. C'est l'humanité. L'humanité oblige l'avocat d'être présent au quotidien auprès des hommes et des femmes qui souffrent dans leurs sentiments et dans leurs intérêts parce qu'ils vivent leur procès comme une preuve, le signe d'un échec ou la source d'une angoisse. C'est elle encore, Monsieur le Président, dans les cas les plus graves, qui oblige l'avocat à défendre avec tout le soin et toute sa conscience la veuve et l'orphelin. C'est en vertu, Monsieur le Président, de l'humanité qui oblige à l'avocat de soutenir que la profession n'est pas seulement un métier, mais elle est avant tout un état d'esprit. Au-delà d'une certaine manière d'agir, la profession d'avocat est bien... Eh bien alors, une manière d'être en effet, comme le précise le bâtonnier Damien, l'avocat exerce un ministère, un nom, une noble mission et non pas un simple métier. L'avocat devrait se résumer en une qualité, l'honnêteté, au sens moral le plus fort, ce qui implique l'accomplissement de ses devoirs, non pour éviter les sanctions, mais par crainte, non par crainte de l'opinion, mais par exigence personnelle. Ainsi compris, l'homme qui est avocat ne se divise pas, l'avocat reste avocat où qu'il se trouve, quoi qu'il se fasse. Et voilà, les avocats qui vont produire leur serment doivent devoir se conformer à la parole qui va sortir de leur bouche en invoquant Dieu comme être invisible et en sachant que lorsqu'ils auraient violé leur serment, ils seront victimes du parjure. Monsieur le Président, à ces mots, puis-je vous prier de bien vouloir inviter les impétrants à prêter leur serment d'avocat. Nous avons dit et vous remercions. Inviter les futurs avocats à être conscients du métier ou de la profession qu'ils ont choisi. Vous n'avez cessé de le répéter. C'est une profession noble. Vous avez insisté sur l'aspect métaphysique du serment qu'ils vont prêter. L'aspect métaphysique, parce que le serment, ce n'est pas une simple formalité. C'est un acte qui met la personne qui prête le serment en contact avec les divinités. Nous ne saurons nous étendre longuement là-dessus. Vous avez insisté et nous sommes conscients que tous ceux qui ont prêté serment ce jour vous ont suivi et ils vont intérioriser cela tout au long de leur profession. Monsieur le procureur général, vous avez la parole pour vos réquisitions. Ils ont rempli valablement les conditions requises pour devenir avocat. Et à ces jours, qu'ils pèsent à votre cour de recevoir leur serment en qualité d'avocat stagiaire au barreau de Canac. J'ai dit, je vous remercie. D'accord, vous l'avez appuyé. Monsieur le Président, d'accord, vous donne la parole pour vous donner la cure de la présentation de serment d'un avocat stagiaire. L'an 2018, 10e jour du mois de mars, devant la cour d'appel de Kanana, composée de Jean-Marie Moulumba Kamba, président, Daniel Mbingu Kungi, conseiller, David Kapenga Moussa, conseiller, siégeant en audience solennelle de prestation de serment avec le concours de magistrat Maurice Kam Alama, officier du ministère public, et l'assistance de M. Elim Kungu Lumu, préfier. Le président a ouvert la séance et invité le bâtonnier à présenter les candidats.
ayant la parole, Maître Dominique Kambala-Nkomo, le bâtonnier du barreau de Kananga, a présenté les récipiendaires. Consulté pour ces réquisitions, le ministère public a, dans ses réquisitions verbales, requis à ceux qui plaisent à la Cour de recevoir le serment de M. Kambongo Wazuma Wayesu Shekina, Maître Tumba Naomi, Kalenda Mbombo Timothée, Manzolo Monga Mupepe Jean-Pierre, Ngandu Mukendi Timothée, Kwete Kwete Christian, Ngalamulume Mulumba Evariste, Mikashema Bonke Josué, Mpianamputu John Amiral, Muya Muya Willy, Kabasele Muyaya Emmanuel, Mwepuntambwe Medard, Make Ngakwete Francis, Luenda Christian, Kabea Lukunga Bernard, Mukendi Chichiku Junior, Kabea Kankonde Alain, Kambamputu John, Kasenga Patrick, Kikuni Kasa Richard, Kiimba Safari Trésor Katoto, Katende Malumba Jonas, Nalula Ilunga Solange, Chinoani Clément, Mukuta Chibaka Freddy, Kanulambi Mulumba Paulin, Omeko Konfuntia Benjamin, Zamba Fish Freddy, Kabau Luanda Saidi, Kabea John, Mukengeshai Kabomo François et Banseka Batena Alphonse. Invité par la Cour, les impétrants récités, inscrits en qualité d'avocat sur la liste de stage du barreau de Kananga par décision du 6 mars 2018, conformément à l'article 14 de l'ordonnance loi numéro 79-28 du 28 septembre 1979, portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l'État, prêtez le serment suivant. Je jure de respecter la Constitution, d'obéir à la loi, d'exercer la défense et les conseils avec dignité, conscience, indépendance et humanité, de ne rien dire ou publier de contraire aux lois, aux décisions judiciaires, aux bonnes mœurs, à la sécurité de l'État et à la paix publique, de ne jamais m'écarter du respect dû aux tribunaux, aux magistrats et aux autorités publiques, de ne conseiller ou défendre aucune cause que je ne croirais juste en mon âme et conscience. La cour donne acte de prestation de serment en qualité d'avocat de tout quoi adresser le présent procès verbal que les récipiendaires cités ci-haut ont signé avec la composition précitée. La Cour vous remercie et elle constate que plus rien n'est resté au rôle du jour. Elle lève le jour. Seuls les avocats vont rester et les membres du Conseil de l'Ordre.
Merci, et venez de prêter serment aujourd'hui pour accéder au barreau de Kananga comme avocat stagiaire. Comment vous vous sentez? Quels sont vos sentiments? Je suis comblé de joie. Je remercie tout ce qui m'ont soutenu bien les prêts comme de nous. Et je rends grâce à Dieu à sa partie. Alors, quelles sont vos perspectives une fois que vous commencez à travailler à Kananga? Qu'est-ce que vous comptez faire au juste? Premièrement, faire préaller valoir les droits du commerce, défendre les abandonnés, les pas alors trop insister sur l'argent, jamais alors sur les services rendus. Merci. So I'm using my sense to the gather the properties, eh? Okay, no time, no. Like a statue of liberty. Nobody knows tomorrow, so I'll be holding my destiny, eh? Yeah. As if you say, I don't go. Some people, they bop low, hey. I continue the struggle, the struggle, they double my hustle, eh? Hey. As if you say, I don't go. Some people, they bop low, hey. I continue the struggle, they double my hustle, eh? Yeah. Now I'll give you my testimony.